Et Yomina Cédredri, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Ghostface. Oui, actuellement j'ai fait beaucoup de vidéos sur Ghostface. Bon, dernièrement j'en ai fait une sur la Légion. Et là je vais faire sur Ghostface qui est actuellement un de mes top 3 de main tueurs. Avec Amanda et Amanda et Trapper. Ok, il est passé par où lui? Enfin, elle, c'était une fille. Ah bah lui, il est là. Et elle, elle est passée derrière. Bon bah c'est toi qui va prendre. Hein. Allez mon coco. Ok, nickel. Ok, pourquoi t'es passé là? Ok, bon bah t'es con. Toi t'es con. Je t'ai fait un petit teabag. Voilà, tu vois. Je suis gentil. Mais toi là par contre, t'as mal joué. Hein. Je suis désolé de dire ça, t'as très très mal joué. Ensuite, nous. On va activer son pouvoir, on est tranquille. Ah non, merde. Et merde, putain, c'est vrai qui peut nous voir comme ça. Allez, toi, dégage. Jouez un peu plus sérieusement, les mecs. Jouez plus sérieusement, s'il vous plaît. Non, parce que là, regardez. Vous êtes... Non, mais vous savez pas jouer. Non, mais dites-le, sincèrement, vous savez pas jouer. Non. Vous êtes nuls, c'est tout. Vous êtes nuls, c'est tout. Bon, elle, je la dépose. On va passer par où? Et par où? Et pas. Non, mais par contre, la libérer devant moi, franchement, à côté de moi, vous êtes vraiment des gros débiles. Je vais dire ça, mais toi, t'es morte. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non. Bon, toi, tu dégages déjà. Et de une. Ok. Montre-moi ta tête. Allez. C'est pour mon album de con. Voilà. Ou de mort. Ou de mort con. Eh, n'empêche, les mecs qui jouent contre moi, qui durent leur game comme ça, doivent perdre des larmes. Ils doivent être dégoûtés de ouf. Parce que quand tu sais bien jouer, il faut vraiment faire gaffe à l'adversaire. Et là, à l'occurrence, la meuf n'a pas eu de chance. Certes, je venais de l'accrocher, mais ils l'ont décroché alors que j'étais juste quasi à côté. Encore ça aurait été loin, je dis pas. Toi. Toi, je t'ai vu. Ok. D'accord, non, mais toi, t'es débile. Non. Viens là. Toi, t'es celui qui a décroché le mec de tout à l'heure. Ok. Donc, ça veut dire que ton pote s'est redonné des vies. Et tiens, je te teabag parce que t'es méchant avec moi. Ok. Il y a personne ici, ce qui est étrange. Étrange. Vous avez dit étrange. Bien sûr que j'ai dit étrange, les amis. Toi, je te tape. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai déjà passé. Je suis quasi prestige 2 avec mon tueur. Comme vous voyez, j'ai déjà prestige 1 parce que j'ai déjà le couteau ensanglanté. Je passe dans les métaux prestige 2. Ah bah lui, il veut plus bouger. Eh bah, dégagez tous les deux. Voilà, il y en a un qui sera mis en taux. Toi, tu dégages. Voilà. Sauf que... Ouais, d'accord, ok. Une selfie complètement décalée et un téléphone totalement bugué. Ok, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Et toi aussi, je peux te mettre en taux? T'es où? Et t'es où? Bah, il est où ce con? Là. Toi, je peux te mettre en taux? Mais oui, je peux te mettre en taux. Et on va le faire. On va prendre le risque de la trappe des enfers. Pourquoi j'ai une lampe? Non, mais il est pas sérieux, lui. Mais... Non, mais il est pas sérieux, lui. La trappe est à côté.
Ok. Donc la trappe est en bas. On va aller la fermer. Quand même. On est gentil. Voilà, trappe fermée. Ensuite, donc, ça veut dire qu'il va falloir aller récupérer. Bon, le mec est là-haut. Ok. Bon, bah, j'arrive, hein. Tu ne bouges pas, s'il te plaît, H. Hein. Je vais aller te chercher. On va, toi et moi, aller vivre un moment très, très agréable, toi et mon couteau. Mon couteau s'appelle Pénétration. Tu sais pourquoi? Tu vas le savoir dans quelques secondes. Par contre, je me souviens pas à quel passage c'était où il fallait aller. Je sais que c'était un endroit au bout, donc très très au bout. Mais ce n'est pas là. Je crois que c'était plus à la gauche, non? Non, non, je crois que c'était plus à la gauche quand même. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Et donc c'était pas au milieu. Ah, je crois que c'était à droite, j'ai vu un cadavre, non? C'est ça. Donc, H, t'es où? Bah, H, il est où? Mais H, alors? Mais mon coco, qu'est-ce qui se passe? T'as vécu des moments très difficiles, hein? Bah oui. Ah, bah oui, H. Sauf que toi, je t'ai jamais accroché, donc je vais devoir te tuer. Et non, tes mementos, je suis désolé pour toi. Mais ceci va te montrer le moment désagréable de ta vie. Tout simplement. Quoi? Mais là, la trappe est fermée. Viens là, H. Pourquoi j'ai tapé? J'ai eu trop le réflexe pour rien. D'accord, pourquoi tu mets pas de palette? Je pense qu'en fait on a affaire à un survivant débile. Un skin de H sur un survivant, mais il sait qu'il ne faut pas poser de, il pose pas de palette. Tout simplement parce que monsieur n'a pas envie ou qu'il est débile. Bon, et bah maintenant tu dégages. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà les amis, en tout cas cette game était juste très horriblement fabuleuse pour moi. J'espère en tout cas que elle vous aura... Ah, il y a personne dans le placard, ouais, ce qui est logique. J'espère que cette game vous aura plu. Et je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.